Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous donner des conseils précis pour arriver à jouer laid back en jazz. J'ai déjà fait quelques vidéos sur ce sujet-là, sur le placement rythmique, notamment une dans laquelle, qui est sur YouTube, dans laquelle j'utilise le logiciel Ableton Live pour justement illustrer un peu comment ça sonne quand on joue devant, derrière et sur le temps, et une autre aussi qui est plus axée funk en fait. Une autre qui est sur YouTube d'ailleurs. Et dans cette vidéo, je vais spécifiquement vous expliquer comment faire ça en jazz, puisque c'est un procédé, le jeu laid back, le jeu derrière, qu'on utilise très souvent en jazz et qui est typique de ce style de musique. Donc je vais vous donner un exercice très précis pour arriver à faire ça, parce que je vois bien avec mes élèves que c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à faire. C'est pas très compliqué à expliquer, mais à faire, c'est plus difficile. Alors, je vais commencer par faire un exemple d'improvisation où je vais jouer dans la pulsation, donc sur du swing, hein, à 140 BPM, sur un blues en si bémol, sur la pulsation, donc de façon un peu classique, ensuite devant, donc un peu trop tôt, c'est quelque chose qu'on n'aime pas trop faire en jazz en général, et après, laid back, derrière. Évidemment, je l'ai fait de façon un petit peu scolaire et j'espère suffisamment évident. N'hésitez pas, si vous n'arrivez pas bien à percevoir ça, à battre la pulsation pendant que je joue pour bien percevoir comment je me place par rapport au rythme. Et normalement, vous allez percevoir qu'il y a une tension en fait qui est amenée autant quand je joue devant que derrière. C'est une tension qui est ressentie différemment, qui est en général plus élégante et plus musicale lorsqu'on joue derrière. Mais c'est quand même une tension, le fait que je joue devant ou derrière. Alors comment faire ça concrètement? C'est très fréquent, de ce que je vois chez mes élèves, c'est très fréquent que les personnes fassent ça de façon un petit peu instinctive, sans forcément bien arriver à moduler ça, à le faire un peu sur commande et avec une intensité qui est choisie. Ils le font de façon un petit peu instinctive. Donc ce qui se passe, c'est que ce qui arrive assez souvent, malheureusement, c'est que il y a beaucoup de personnes qui jouent quasiment tout le temps laid back. C'est-à-dire qu'ils jouent pas des fois laid back et des fois sur le temps, ils jouent laid back en permanence et ça apporte une tension un peu permanente qui, je trouve personnellement, peut être assez vite pesante. Donc il faut que ce soit vraiment un choix. Alors comment faire ça? L'exercice que je vais vous proposer consiste à prendre une phrase très simple qu'on va jouer dans la pulsation, une phrase sur deux mesures, et on va faire exprès de la ralentir cette phrase. Et pour y arriver assez facilement, on va le faire sans playback pour commencer. Voici la phrase simple que je vous propose de jouer, c'est une phrase qui sera sur deux mesures. Un peu plus lentement, 3, 4. Il y a une petite difficulté, c'est qu'il y a un roulé à faire. Le roulé, c'est cette technique qui consiste à faire ça avec un doigt de la main gauche. C'est ici. Elle finit sur le E du 2, de la deuxième mesure, cette phrase. Une mesure, deux mesures de pause, et on repart. Donc on va jouer cette phrase qui est sur quasiment deux mesures, toutes les quatre mesures. Ça va nous faire deux mesures la phrase, deux mesures de pause. Donc on va faire ça trois fois sur la grille du blues, qui est un blues en 12 mesures. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par faire ça, pas sur le playback, en fait. On va faire ça tout seul, et on va faire exprès de ralentir la phrase. Donc, bah, je vous montre. Au milieu de la phrase, on va faire comme si le tempo ralentissait. Donc ça va faire ça. 1, 2, 3, 4. Mmh.
encore, sans louper les notes. 1, 2, 3, 4. Là, j'ai vraiment exagéré le ralenti. Si je le fais un peu plus subtil, 1, 2, 3, 4. Je l'ai fait un peu plus modéré, le ralenti. Et donc ça, c'est pas très difficile à faire tout seul, essayez quand même de le faire. Si vous n'y arrivez pas, essayez de vous forcer à ralentir le tempo. Vous avez peut-être remarqué dans la vidéo, je ne sais pas si on le voit, que ma pulsation au pied, la jambe, ralentit. Donc intérieurement, le tempo que je me donne, c'est comme si je me donnais un métronome qui va ralentir et je suis ce métronome. Et même si ça ralentit, je garde le swing des croches, le 1 et 2. Et vous savez, le fait qu'il y a une... quand on joue du swing, il y a la deuxième croche qui est plus courte que... Oui, c'est ça, la deuxième croche qui est plus courte que la première. Donc la première, elle dure un peu plus de un demi-temps. On va essayer de faire ça sur le playback. Donc on va prendre un peu de retard. Et pendant les deux mesures de pause qui nous restent, on va essayer de se recaler et de repartir sur la cinquième mesure, pile sur la pulsation, et de refaire ce procédé plusieurs fois. Illustration. À la fin, la dernière fois où je l'ai fait, c'était beaucoup plus subtil, beaucoup moins exagéré. Ce qui n'est pas facile, c'est que comme on va beaucoup ralentir la phrase, après il faut arriver à se recaler, à savoir où est le premier temps de chaque mesure, donc ça c'est pas évident. L'intérêt principal dans cet exercice, c'est de vous permettre d'arriver à lâcher la pulsation. C'est quelque chose qui est très difficile lorsqu'on n'est pas habitué à faire cet exercice-là. Parce qu'en fait, on passe notre vie, lorsqu'on est apprenti musicien, à jouer sur la pulsation, à ne jamais lâcher la pulsation, bosser au métronome et être tout le temps parfaitement synchronisé. Et lorsque l'exercice, en l'occurrence, c'est de jouer et de faire exprès de se décaler de la pulsation, c'est très difficile et on est un peu happé par la pulsation et on est obligé de suivre le truc, on n'arrive pas forcément à décrocher de ça. Ça, c'est une difficulté que je vois très souvent chez mes élèves à qui j'enseigne le jeu laid back. Donc ça va être une difficulté sans doute assez importante, peut-être que vous n'arriverez pas à lâcher ça, essayez de vraiment vous forcer, quitte à ne pas trop écouter le playback en fait. Pensez vraiment à ce que vous faites à la guitare, vous prenez la pulse et vous faites ti-ta-to-to-ti-ta-ta-ta-ti-ta-ta. Et là vous écoutez le playback et vous allez essayer de vous recaler, peut-être que vous n'y arriverez pas. Mais essayez de vous forcer à faire ça, à faire quelque chose qui est entre guillemets rythmiquement faux. Maintenant, si vous arrivez à faire ça, ce que vous allez pouvoir faire, c'est essayer de ralentir assez vite dès le début et de après plus trop ralentir. Donc ça va faire quelque chose comme 1, 2, 3, 4, tup, top, 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 top. Au début, j'ai décéléré, puis après je suis revenu au même tempo. Si je fais ça sur un playback, je vais prendre un peu de retard en ralentissant, et après si je reviens au même tempo, je vais garder ce retard que j'ai pris, et donc je vais jouer laid back, on pourrait dire. On va essayer de faire ça, donc je vous conseille d'essayer de faire ça, et je vais le faire sur le playback. Vous allez voir que des fois je vais le faire avec plus ou moins de retard, avec plus ou moins de réussite, vous allez voir que l'effet amené, il va être différent. Vous voyez que la toute dernière fois où je l'ai fait, c'était subtil, c'était un peu laid back, c'est souvent comme ça qu'on va jouer. Hein. Et celui d'encore avant, c'était exagéré, donc c'était vraiment, vraiment laid back.
Cette capacité à suivre le tempo en ayant un petit peu de retard et à rattraper le retard qu'on a par rapport au tempo ou à en prendre un peu plus du retard, ça c'est une compétence qu'il faut vraiment développer lorsqu'on fait du jazz et lorsqu'on veut un peu maîtriser son jeu laid back. La finalité de tout ça, en fait, le jeu laid back c'est intéressant parce que ça apporte un feeling, une énergie qui est différente. Que le jeu qui est bien sur la pulsation, voire un petit peu devant. Et donc ce qui va être intéressant de mon point de vue, c'est d'utiliser ce jeu laid back comme un moyen d'expression, en fait, comme un contraste qu'on va pouvoir amener à nos improvisations, et c'est-à-dire de ne pas le faire en permanence, de ne pas jouer tout le temps sur la pulse ou pas tout le temps laid back. Sinon ben, c'est dommage, c'est un paramètre sur lequel on ne joue pas, un paramètre qu'on ne varie pas pour... C'est dommage, ça nous permettrait de gagner en expressivité. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire exprès de jouer. Donc là, je vais faire une vraie improvisation sur un blues, sur la gamme blues et puis sur d'autres choses qu'on peut utiliser en jazz sur un blues. Je détaille pas ça, mais il y a plein de vidéos que j'ai fait dans lesquelles j'explique ce qu'on peut faire. Et donc, je vais jouer des fois bien sur la pulsation, ou alors un tout petit peu derrière, ou alors carrément laid back. Essayez de percevoir ça. Et du coup, ce sera pas affiché à l'écran. Il n'y aura pas la réponse. Donc, c'est à vous de percevoir et d'arriver à sentir ça. C'est parti. J'espère que cette vidéo vous aura bien aidé à y voir plus clair sur ce sujet, qui est très important lorsqu'on fait du jazz, lorsqu'on veut un peu maîtriser son expressivité dans l'improvisation. Essayez d'être sensible à ça lorsque vous écoutez des musiciens qui jouent, lorsque vous écoutez des enregistrements. Il y a d'ailleurs, dans la description de cette vidéo, une liste de morceaux dans lesquels, à certains moments très précis, le musicien joue particulièrement laid back. Donc il y a plusieurs références. Allez écouter ces références, essayez vraiment de percevoir ce jeu laid back. Essayez de faire les exercices que j'ai proposés dans la vidéo pour arriver à maîtriser le plus précisément possible le jeu laid back. Thank you.